presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et c'est Marc-Olivier Fogiel qui est avec nous ce matin. Bonjour Marco. Bonjour, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver. Je vois que Natacha Étienne est revenue. Natacha Polony, pardon. Alors, je voudrais commencer. Bienvenue, Natacha. Merci. Je voudrais commencer par des plates excuses à François Fillon. Ça fait, il faut le dire. Ça fait des semaines qu'on le critique, qu'on le trouve trop raide, trop austère. Et puis aujourd'hui, on se rend compte qu'à côté de lui, Jérôme Cahuzac, c'est l'abbé Pierre. Donc, toutes nos excuses à François Fillon. Voilà. En tout cas, François Fillon et Pénélope Fillon vivent des moments difficiles. Ils ont été interrogés plusieurs heures hier dans des pièces séparées. Alors du coup, vous savez, Julie, que l'animateur Tex, vous savez, l'animateur des amours, votre émission préférée, enfin celle de Raphaël, Tex des amours, a poussé un gros coup de gueule. Il a déclaré « Poser les mêmes questions à un couple de façon séparée, c'est quand même le concept de mon émission, il y a plagiat. » Voilà, sinon hier, il y a eu des perquisitions, donc vous le savez, à l'Assemblée nationale. Oui. Alors ça, c'est une autre émission. Ah bon, oui, c'est perquisitions et interrogatoires. C'est Vie ma vie de Nicolas Sarkozy. Bon, en fait, pour résumer, tout ça c'est bien pour Thomas Joubert, la politique en 2017, c'est que de la télé. Voilà. Allez, on va passer au titre, Marc-Olivier. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Pénélope Fillon, nous l'avons annoncé, répété ce matin, aurait touché plus de 900 000 euros et les enfants du couple 84 000 euros. Ça, à droite, ça va mal passer. Hein. Ah ben, prendre la place de Sarkozy comme candidat pour 2017 passe encore, mais prendre celle des Balkany comme la famille d'escrocs numéro 1 du parti, là, c'est trop. Et puis, dette importante, Marine Le Pen doit commencer à rembourser 300 000 euros au Parlement européen. Bon, ça, ça va aller. Elle a... Bah si, ça va aller. Elle a qu'à proposer à la Revue des Deux Mondes de leur écrire 2-3 articles. C'est bon. Et puis, des nouvelles de l'abbé, Pierre. Oui, pour une fois, pas l'abbé Fillon. Oui, le rapport annuel de l'abbé Pierre montre qu'il manque 150 000 logements pour les plus modestes. Ouais. Hein, 4 millions de mal logés en France. Mmh. Vivement que la gauche passe, hein, franchement, qu'on pense enfin aux plus modestes. Hein. Quoi ? Ah, c'était la gauche pendant 5 ans. Eh oui. Ah oui. Ah oui, mais pardon, autant pour moi, ça, j'ai pas remarqué. Et on rappelle... Le rire, j'adore. Et on rappelle que la loi impose une surface minimum de 9 mètres carrés. Hein. 9 mètres carrés, tout à fait, Julie, je vois que vous êtes au courant. Mais qui n'est pas respecté. Moi, j'ai des chiffres. Hein? La taille, par exemple, du bureau de fonction de Pénélope Fillon était de 0 mètre carré. Bah ouais, mais du coup, la pauvre, elle pouvait pas bosser. Hein. Et puis, des nouvelles de la copine de Raphaël Enthoven, la Miss Univers. Ah oui, ah oui, fallait écouter copine, hier, là, oui. Bah oui, quel parcours. Bah oui, on en a parlé hier. Oui. Il a rhabillé un petit peu. Quel parcours de cette fille, hein, Miss Calais, puis Miss France, Miss Univers. Voilà, bon, cela dit, comme Raphaël, on relativise son succès. Hein. Miss, c'est vrai que c'est le seul métier où on réussit en ne faisant rien. Hein. Faut être là avec les mains sur les hanches et pas dire grand chose, franchement. Et j'en profite d'ailleurs pour rappeler à Jean-Marc Ayrault, attention, cher Jean-Marc Ayrault, vous n'êtes pas Miss Affaires étrangères. Vous êtes ministre. Hein, il faut que vous disiez, que vous fassiez des trucs de temps en temps, pas rester les mains sur les hanches. Merci. Merci Marc-Olivier, à bientôt. À bientôt. Et on va démarrer par le silence de Marc Joulot, qui est maire de Sablé-sur-Sarthe, mais surtout ancien employeur de Pénélope Fillon. Alors, tous les journalistes de France essaient de l'interroger en vain. Ceci est une alerte enlèvement. Un maire a été enlevé. Il s'agit de Marc Joulot. Il a perdu l'usage de la parole depuis 72 heures. Il a même perdu sa langue de bois. Si vous le retrouvez, n'agissez pas seul. Il cherche actuellement des preuves du travail de Pénélope Fillon. Bref, on n'est pas prêt de le revoir. Jean-Marc Ayrault, on en parlait. Il était en Iran hier. Il est avec nous ce matin. Bonjour, monsieur le ministre des Affaires étrangères. Ministre des Affaires étrangères, oui, écoutez, si vous le dites. Vous êtes inquiet. C'est le bruit qui court. Vous êtes inquiet à cause de la politique étrangère de Trump, dites-nous. Oui, vous savez, ce matin, je faisais ma Natacha Polony. Oui, je lisais le Washington Post. Ah, bravo. Et puis, j'ai arrêté au bout d'une heure quand j'ai vu que je ne comprenais rien. Parce qu'en fait, moi, je parle que l'allemand. Ah oui, ça, d'accord. J'ai un petit décalage. Mais quand même, vous avez sûrement une opinion. Qu'est-ce qu'on doit faire avec les binationaux, les américano-iraniens, entre autres, qui se font refouler à la frontière américaine, maintenant? Oui, ils ne peuvent pas prendre l'avion. Donc, je pense que l'idéal, ce serait qu'ils aient un aéroport qui leur soit destiné. J'avais pensé à un aéroport du côté de Notre-Dame-des-Landes. D'accord, écoutez, vous n'allez pas recommencer. Hein. Puis ça ne résoudrait rien, franchement. Non, mais écoutez, si en tout cas ils veulent prendre l'avion, ils pourraient prendre l'avion, faire peut-être des tours au-dessus de Nantes. Et moi, du coup, ça ferait
D'une pierre deux couches, j'aurai enfin mon aéroport. Et tout le monde est content. Et oui, Marisol Touraine défend le paquet neutre. Moi, je suis le Premier ministre neutre. Ouais, c'est peut-être pas faux. Merci, voilà, merci, c'est une monsieur bonne Héro. Bien neutre. Belle chute. Allez, on va revenir aux nouvelles révélations du Canard Enchaîné qui sont cruelles, il faut bien le dire. Ce ne serait pas 600 000, mais 900 000 euros qu'aurait touché Pénélope Fillon, auquel il faut rajouter 84 000 euros pour ses enfants. Et c'est Gérard Holz qui vient nous en parler. Bonjour à tous, bonjour Julie, bonjour Thomas, bonjour Louise Gérard. Louise est là, il faut le dire, Thomas Joubert aussi, Thomas Soto, Laurent Cabrol, Natacha est là, tous les auditeurs sont là, c'est le Fillonton, oui, 984 000 euros en tout pour la famille Fillon. C'est trop bête de s'arrêter, disons-le, aussi près du but, du million d'euros. Alors, mobilisez-vous, il faut absolument qu'on atteigne le million d'euros symbolique. Hein, payez à rien foutre. Seulement 16 000 euros à réunir pour atteindre le million. À peine 2 mois de salaire de Pénélope Fillon. On compte sur vous et sur votre générosité. D'accord, on se tient au courant, hein, Gérard Holz. On surveille le compteur. Génial. Et on accueille maintenant François Bayrou qui sort un livre aujourd'hui. Bonjour, monsieur Bayrou. Bonjour. Alors, pour être précis, oui, je vois que madame Polony a peur que je dise ma mobilette est mal garée et que je m'en aille. Mais non, madame Julie, je me permets de vous corriger. Ah, d'accord. Je ne sors pas un livre, ah bon, comme vous venez de l'indiquer. J'en sors 4. Pourquoi, monsieur Enthoven? Parce que je suis optimiste au niveau des futures ventes. Ah, j'en sors 4, oh non. Et le livre s'intitule... Il n'y a que M. Cabrol qui a compris cette vanne. Non, comme quoi on peut être philosophe et pas être... Bon, allez. Voilà. Allez, le titre de je votre livre. Je ne me risque livre. Pas sur ce terrain. Le livre s'appelle... Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle « Résolution française ». Je laisse un ton d'adaptation. Non, on a bien compris l'allusion. Ça, oui. Voilà, résolution, non, révolution. Révolution. C'est tout de même bien trouvé, avouez-le. Oui, oui. 3 ans de travail, rien que sur le titre. Voilà. Alors, devant le chaos du paysage politique, on attend que vous vous présentiez, François Bayrou. Ben, écoutez, c'est pas que je sois bon, mais si les autres cons, les autres continuent à être nuls, je vais peut-être y aller. Eh ben voilà, vous vous décidez. Merci monsieur Bayrou, merci. François Fillon est en très mauvaise posture. Valéry Giscard d'Estaing, vous le conseillez toujours? Et François Fillon. François qui est? De qui me parlez-vous? Mais enfin François Fillon. Non, je ne vois pas, je ne connais pas. Ça doit être Alzheimer, je ne sais pas. Oui, c'est ça, Alzheimer. Mais enfin, vous l'avez coaché pendant sa campagne des primaires. Mais taisez-vous, espèce de gourde. Oh, bah, je vous en prie. Mais j'en prends plus. Bah, écoutez, je vais tout vous dire. Je pensais coacher un gentil curé, pas un braqueur de banque. C'est Albert Spelgiari, le gars. Je vais tomber pour complicité, vos conneries. Moi, j'ai pas envie de faire de la zonzon à 90 ans. Non, alors, qu'est-ce que vous avez à lui dire? Il me semble ne pas vouloir renoncer à la présidentielle, lui, en tout cas. Hein. Alors, écoutez, puisque vous m'y incitez, je vais profiter d'être là pour lui donner un conseil. Vous Allez-y. François, tu es cerné, fais pas le con. Sors de cette campagne sans violence. Les mains sur la tête et on épargnera ta femme. François, pense à tes gosses. François, pense au moins à ton chien. Bon, mais c'est bon. Merci, monsieur Giscard d'Estaing. J'ai fait le boulot. Hein. Alors, toujours à propos de cette affaire Fillon, on va recevoir maintenant, tiens, Jean-Pierre Foucault. Eh oui, bonjour Sully, bonjour les Thomas, bonjour à tous, bienvenue au tirage de Laurent Fillon. Je rappelle qu'on joue pour 1 million d'euros, c'est une belle somme, une coquette somme, je vous rappelle qu'il n'est pas nécessaire de miser un seul euro pour gagner à Laurent Fillon et qu'il y a une seule condition. Il faut avoir n'importe quel prénom avec Fillon au bout. Voilà, François qui aimerait bien utiliser l'appel à un ami, mais qui en a de moins en moins, de toute façon, c'est un autre jeu, bien sûr, vous savez. L'euro Fillon, merci Jean-Pierre Foucault.
Un petit tour du côté du Filleton. Alors Gérard Rolls, on vous retrouve là. Je vais tout vous dire, chers auditeurs, de l'ambiance du studio. Ça rit jeune, ça rigole jeune dans le studio. On le sait tous ici autour de cette table. Si Fillon revient, on est tous virés. Le compteur n'a pas bougé. On reste pour l'instant bloqué à 984 000 euros pour les Fillons. C'est rageant. Il faudrait peut-être un geste de la part d'un membre de l'équipe, quelqu'un qui est solidaire autour de cette table. Oui, oui, Thomas Soto, regardez. Thomas Soto qui met ça aux enchères, sa montre orange. Attends, valeur inestimable. Oui, Julie, regardez le compte. Oui, Thomas, le compteur a bougé. Il a bougé, le compteur a bougé. Il vient de faire un bond de 2,50 euros pour la montre de Thomas. Magnifique, formidable, Thomas, génial. Mais quel geste généreux, quand Thomas. Même, hein, quand même, donner ma montre orange, non. Pas poussé, quand même. Merci beaucoup, Nicolas Canteloup. Qu'on te voit demain à 8h40 en direct sur Europe 1. À demain.